Ce résumé vous est proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Centre avec une glissade d'Aderokin, ça revient dans les pieds de Douglas qui écarte vers Zirkov. Le centre, il n'est pas mal. Dziouba, contrôle de la poitrine, le ballon revient à nouveau chez Dziouba et le but, ouais, voilà. Le but, c'est une jolie combinaison et l'ouverture du score pour le Zénith. Ce but d'Aderokin, eh bien, il a marqué ce week-end aussi dans le championnat russe. C'est l'homme en forme du côté du Zénith et là, eh bien, ils ont gagné les duels. Dziouba de la tête. Et il fait la différence et regardez la joie de ce public. Ah, ça fait plaisir à voir aussi hein, cela dans... alors que depuis des mois on est habitué à des stades vides. Ce ballon donc avec à la base Zirkov qui est là, excellent centre. Dziouba de la quasiment de l'épaule, la remise ensuite de la tête de Kouzaïev et puis Dziouba encore pour Aderokin, oublié par la défense italienne. Back pro, la petite déviation, c'est pas mal. Muriki, il faut accompagner Fares pour un centre peut-être. C'est parti, Muriki, non, la tête de Milinkovic-Savic, Maruzic, ballon déposé, Muriki au-dessus du but. La reprise de Muriki sur ce ballon, parti des pieds de Maruzic. Bon centre de la part d'Adam Maruzic. Chez Dziouba qui remet dans la profondeur, c'est un bon ballon pour Aderokin, le deuxième but peut-être, le retour parfait de Hoot, impeccable hein. Wesley Hoot sur ce tacle là, le défenseur, il est grand mais il a quand même de la vitesse. Et donc montée de Andrei Mostovoy qui a marqué lui aussi ce week-end. Place l'autre buteur, celui du soir ici, Aderokin. Attention à cette percée, oh, c'est joliment fait. Et le ballon qui passe juste à côté, eh bien voilà, montée de Mostovoy qui a bien failli être gagnante. Hein, on l'a dit, c'est aussi un homme en forme, Andrei Mostovoy. Milinkovic-Savic. Centre, la tête de Savic, Caicedo à côté, dommage. Occasion là pour Caicedo, Felipe Caicedo qui croise cette tête et qui passe juste à côté. C'était bien joué de la part du joueur équatorien. Ouais, c'est joliment fait de la part de Correa dans les pieds de Barrios. Correa qui remonte ce ballon. Correa, le bon choix maintenant. Il y va, il frappe et l'arrêt de la main de Kurzakov là. Une main. Ouais, il a failli être surpris parce que c'était un tir à ras de terre là qui n'était pas loin des pieds non plus. Akpak Pro, qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Iseda Pereira, le centre de la Serbie, la reprise et le but, oh, c'est magnifique. Superbe but
signé Felipe Caicedo. Ouais, l'expérience de l'équatorien et ce but qui tombe. Et voilà, ils viennent sauver déjà un point, les Italiens, avec Felipe Caicedo. Ce résumé vous a été proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.